Maxime Mermoux, coucou. Ça roule. Maxime Mermoux, vous êtes celui qui est en marge de tous les autres, qui fait rien pareil que tout le monde. Bah, si tu décides pas toi-même ce que tu veux être, ouais. C'est le monde qui décide pour toi. On a beaucoup parlé de votre mariage avec Lisa, de la plonge. She's the first, the last, my... Everything. Vous aimez Barry White? Qui ça? Alors, c'est quoi l'avenir pour vous, Max Mermoux? Un cercle, un globe, ça dépend comment tu le vois, hein. Ça peut être en 3D, mais les gens sont faux, les gens sont plats. Et la plat, c'est la 2D, tu vois. Moi, je jouais à la Super Nintendo. Tu jouais à la Super Nintendo, toi ou pas? C'était plat, t'avançais comme ça. Le problème, c'est qu'il faut avancer comme ça, vraiment, tu vois. Et quand j'avance comme ça, je me sens comme une flèche, tu vois. Je me sens comme une flèche, comme un pot rouge, tu vois. Les pots rouges, on les a massacrés. Du sang partout, du sable. Les gens criaient. Et moi, je crie tous les jours. Ah, je crie, tu vois, je crie. De temps en temps, j'aime pas, je m'énerve, je crie. Tout simplement parce que je me sens mal. Je vais pas bien. Mais je vais bien dans le sens où je suis ravi d'aller mal. Moi, là, je te parle. Toi, t'es quoi, 1m50 de moi. Mais peut-être ce que je dis, ça vaut 3 mètres. Donc en fait, ce que je dis passe derrière toi. Ça te traverse, et au final, ça atteint personne. Parce que là-bas, il y a le mur. Le mur, il entend pas, il rebondit pas. T'as déjà fait une partie de ping-pong avec un mur? Oui, la balle, elle revient. Mais la balle, c'est pas un mot. Et c'est ça, voilà. Bon, comment vous rangez les chaises? C'est que si les mots étaient des balles, là, tout irait mieux. Mais tu vois, là, je te parle, et j'ai l'impression que tu perds le fil. Et pourtant, pour t'avoir, il faut que j'aie un fil. Parce que si je t'ai eu, c'est que je t'ai pêché. Et tu pêches pas sans fil. Vous l'avez dit dans la presse, vous voyez pas les choses comme tout le monde. C'est... Moi, je vois pas les choses comme tout le monde. Tu sais ce que c'est une piña colada? Probablement pas. C'est un accouchement. D'accord. La vie est métaphore. Et thank God! Je suis complément d'objet direct. Et vous, en tant que... complément d'objet... Toi, t'es qui? Moi? Ouais. Jean Glaton, journaliste... Non. Tu n'es pas Jean. Tu n'es pas journaliste. T'es malheureux. Certains ont évoqué pour vous des projets de food truck. C'est fini tout ça. C'est fini. Les gens veulent plus ça. Manger, c'est fini. On est en 2017. On se réveille. On n'est pas encore en 2017. Toi, peut-être. Ok. Vous avez un... Qu'est-ce que vous mangez? Vous avez un plat préféré? Ok. On fait quoi, là? On donne des listes? Hein? On fait quoi? Considère les plats comme de la viande? On donne des notes à ce qu'on mange? Au resto? C'est ce que font les critiques gastronomiques qui donnent des notes. Non mais oh! On va où, là? Tu sais, j'étais comme toi avant, moi, Jean. Mais il faut lâcher. Non. Faut réapprendre à toucher, Jean. C'est quand la dernière fois que t'as crié? Quoi? Vas-y. Vas-y quoi? Essaie. Je sais que t'en as envie. Tes cheveux me le disent. Allez, va. Vie. Deviens. Vas-y, crie, Jean. Ah! Faut que tu viennes chez moi en Sardaigne. En Sardaigne, c'est mon royaume. Faut que tu viennes vivre avec moi. Viens, Jean. Je t'apprendrai à aimer. Maxime Mermoux... Est-ce que vous avez un secret pour réussir une addition sans faire d'erreur, par exemple? Pour boire café, café pour boire, pour boire café, pour boire café. Mais moi, je fais pas ça. Peut-être quel signe, Jean? Jean? Oui. Peut-être quel signe? Allez. Je m'en vais.
Ouh! Là, je vais pas me casser. Mais tu. Hein? Si tu t'en vas comme ça, c'est que t'es bélier. Hein? Ça vit, ça vit. Et boum! Allez! Jean! Ouais. Deviens Jean! Jean les mains! Allez! Ah. Jean, tiens, ton fils en va y être, la porte est partie! Toi, t'es qui? Gilles. Tu t'es déjà demandé si c'est toi qui tiens la caméra ou si c'est la caméra qui te tenait ?